Bien évidemment, sportivement, d'être le premier au premier virage, ça n'a pas une grande importance, mais pour le point de vue de l'image, c'est éminemment important. Alors on voit ici le départ avec un très très bon départ qui va être réalisé par la Suzuki numéro 1, qui était donc en deuxième position sur la grille, puisque la pole était revenue à la machine, à la Yamaha numéro 94 de l'équipe de Christophe Guyot. Et le plus rapide à se mettre en action, ça a été Vincent Philippe. En deuxième position, on avait donc Sébastien Gimbert qui avait réalisé la pole, qui s'est un petit peu moins bien élancé. Ah oui, là c'est un week-end en plus, la météo annonce grand bleu, donc déjà c'est bien à ce niveau-là, il ne devrait pas y avoir de perturbation. La course, c'est toujours gênant quand il pleut, du brouillard, des choses comme ça. Là on annonce un week-end sec et les pilotes vont pouvoir s'exprimer pleinement. On a vu très rapidement les Suzuki reprendre le commandement, les deux Suzuki sont revenus en tête, Sébastien Gimbert s'est fait doubler, mais il reste maintenant dans le carénage de la numéro 2, de la Suzuki numéro 2 de Julien Dacosta. Sébastien Gimbert qui lui a fait claquer un chrono assez étonnant, hein, parce qu'il aurait pu, d'après lui, être en 1.37, il a fait 1.38 et quelque chose, et c'est pratiquement 2 secondes par rapport à l'an dernier. Spécification. On est revenu là donc sur les images du direct avec, vous le voyez, le trio de tête dans un mouchoir de poche. Pour rappeler que l'an passé, le record du plus faible écart entre les deux machines de tête à l'arrivée avait été battu. Il y avait un tout petit peu plus de 20 secondes entre donc la Yamaha de l'équipe de Christophe Guyot et la première des Suzuki du CERT. On resignerait dès demain pour... Effectivement, et là quand on voit le départ, on est à moins de 5 tours et il y a exactement 16 centièmes qui sépare les deux machines officielles, les deux Suzuki, celle de Vincent Philippe en tête, la numéro 1, et la numéro 2 de Julien Dacosta. Et derrière, à moins d'une demi-seconde, eh bien on trouve la Yamaha de Gimbert. Donc ça promet un grand, grand spectacle. Il va falloir suivre ça attentivement, parce qu'effectivement, vous l'avez dit l'année dernière, 20 secondes, 41.4 pour Vincent Philippe, une 41.6 pour Julien Dacosta. Derrière, eh bien, Sébastien Gimbert, lui, est en train de se réveiller. Alors peut-être qu'il a entendu nos commentaires, ou peut-être que ces Pirelli sont en température maintenant, parce qu'il est en 1.44.7, donc un dixième maintenant des hommes de tête. Ça le met quand même pour le moment à 6 secondes 9. Ouais. C'est beaucoup. Hein. C'est loin, c'est déjà beaucoup. Mais bon, on sait que ça joue au centième, hein. On l'a vu l'année dernière. 20 secondes, un peu plus de 20 secondes. Il y a une petite inconnue quand même chez les GMT 94, c'est l'arrivée de Gary McCoy, qui n'est pas forcément un pilote extrêmement habitué à l'endurance et au pilotage de nuit notamment. Non, c'est vrai, c'est la grosse inconnue du côté de l'équipe du GMT, ce Gary McCoy. On sait qu'il est talentueux, il a roulé l'année dernière en Superbike, donc il connaît quand même maintenant les machines de Superbike, même s'il n'est pas accoutumé aux 4 cylindres, parce que c'est quand même très très différent. Mais c'est vrai que le gros problème pour Gary McCoy, ça sera le trafic d'abord, parce que le trafic, il y en aura dans quelques minutes, les premières machines vont revenir sur les autres un peu moins rapides, donc le trafic va démarrer d'entrée de jeu. Et puis bien sûr l'inconnu de la nuit. On connaît le talent de Gary McCoy, il devrait arriver à s'adapter assez rapidement malgré tout. Oui, mais ce qui est étonnant, j'ai parlé hier avec Jean-Claude Olivier, le patron de Yamaha, donc qui participe quand même à la course avec la 94, et il venait justement d'avoir Gary McCoy au téléphone, et Gary était très très surpris par le niveau des pilotes devant. Il pensait un petit peu, peut-être comme beaucoup de pilotes, d'anciens pilotes de vitesse ou de superbike, eh bien que l'endurance c'était quelque chose un peu pour des pilotes, pas à la retraite, mais de second niveau. Et là il a avoué, il a dit là je suis très très étonné de leur capacité à aller aussi vite et surtout aussi longtemps. Donc on va voir si Gary va pouvoir soutenir le rythme. Effectivement, moi aussi j'ai un petit doute, notamment durant la nuit. Mais ça fait partie du charme de cette 29e édition des 24 heures du Mans moto, c'est que donc il y a une inconnue chez le GMT et il y a une inconnue sur les deux machines Suzuki. Bien, eux, c'est pour le moment c'est parfait, hein. Ils se tiennent à 2 dixièmes, Vincent Philippe, Julien Dacosta, et ils ont 11 secondes, presque 12, 11 secondes 8 exactement, devant Sébastien Gimbert, qui lui, bien s'est ressaisi, hein. Là maintenant c'est évident, les chronos sont équivalents, avantage quand même pour les pilotes Suzuki.
Je voulais revenir rapidement, là on suit essentiellement les deux machines de tête. Dès qu'on aura l'occasion, on ira jeter un œil sur ce qui se passe pour la deuxième place, parce que pour la troisième place, parce que c'est extrêmement serré. Sébastien Gimbert s'est fait ramarrer par Gwen Giabani. Il y a un tout petit peu plus d'un dixième d'écart entre les deux machines. C'est par l'arrière, la voici, cette machine numéro 94 de Sébastien Gimbert dans le trafic. Sébastien qui a l'air, il veut pas prendre de risques, hein, visiblement, mais il est beaucoup moins incisif pour ce qui est des dépassements que les deux pilotes Suzuki en tête. Hein. Alors, est-ce qu'il a fait un petit tout droit en essayant de dépasser un pilote qui allait moins vite et qu'il a perdu Il a pu être embarqué, voilà, à l'extérieur, des choses comme ça, parce que naturellement, je pense pas que ce soit un pilote à ce niveau-là qui fasse des erreurs. Mais regardez, la machine n'a pas l'air d'avoir de problème. Il est quand même un peu englué là dans un paquet. Il suffit que au milieu du courbe, à un moment s'il est à l'extérieur et puis que le pilote qui double eh bien, décide de relever un peu sa machine, là, il n'a pas d'autre choix que de couper et il perd instantanément 2-3 secondes. En tout cas, Sébastien Gimbert continue à rouler. Oh là là, il y en a quelques-uns à qui ça donne des idées de faire des freinages d'outre-tombe. Et donc Sébastien Gimbert avec la GMT 94, quatrième. On verra ça. En tout cas, on s'est préparé du côté de l'équipe de Christophe Guyot pour parer à l'éventualité d'un retour de Sébastien Gimbert qui a finalement été c'est un peu plus régulier, on va dire. C'est vrai que là, les deux Suzuki ont ralenti le rythme parce que leurs pneus comme doivent commencer maintenant à souffrir un peu plus, mais peut-être que le choix n'était pas optimal côté pneumatique du côté de l'équipe de Christophe Guyot. Je pense qu'on doit déjà travailler du côté de chez le GMT pour essayer de... Et puis une bagarre, on vous l'a rappelé, Dunlop pour les Suzuki, Pirelli pour les deux Yamaha qui chassent des rapides. Et avec le pied, eh bien, il a fait signe dans la ligne droite, il a fait signe avant la Dunlop, justement à Sébastien Gimbert, et qu'il n'y avait aucun problème, quoi, qu'il l'avait vu. Donc ça, c'est très très sportif et c'est plutôt... Ouais, c'est sympa, quoi. Oui, c'est un confort en tout cas pour le pilote qui sait que là, il n'aura pas de mauvaise surprise sur ce coup-là. Surtout que Sébastien doit aller au charbon là. Hein. Secondes. Oui, c'est pas parce qu'il est moins rapide qu'il se bat moins. Au contraire, là ça doit bouillir, hein, dans sa tête. Sébastien qui regardait hier la météo prévue à Valence et qui se disait qu'avec les intempéries prévues sur le circuit valencien, il aurait peut-être eu son mot à dire. C'est vrai que c'est malheureux, hein, cette concordance. Ça doit être de un peu frustrant pour lui. Ouais. Hein. Parce que bon, je veux pas jouer les mauvais coucheurs, mais je pense que quand on est un pilote du niveau de Sébastien Gimbert, c'est vrai que les superbikes sont plus tentants qu'une course d'endurance, même si le niveau est devenu excellent. C'est pas du tout du second choix. Hein. Voilà, il suffit d'écouter ce que disait Gary McCoy hier. Les pilotes devant sont des pilotes qui sont extrêmement rapides et pendant 24 heures. Ça, c'est l'exploit aussi. Hein. Oui. C'est vraiment un très très bel équipage et cette machine, elle est en train de faire le forcing pour effectivement creuser encore l'écart. Il y avait la 15 secondes d'écart par rapport à la machine numéro 94 qui repart ici à l'instant, donc là l'écart va à nouveau grandir sur la 94. Gary McCoy qui est revenu en deuxième position. Exactement. Et là maintenant ça va être effectivement un des pilotes les plus attendus, hein, de ces 24 heures du Mans. C'est l'arrivée en championnat du monde d'endurance d'une des anciennes stars, hein, des MotoGP. C'est l'Australien Gary McCoy. Alors à votre avis, Eric, est-ce qu'il va se laisser aller à quelques glissades comme il avait l'habitude de le faire en MotoGP? Pour vous dire ce que j'en pense, je ne crois pas que son team manager le laissera faire. C'est-à-dire que s'il avait envie de le faire, les consignes sont telles en endurance que ce genre de figure, c'est pas une question de risque pour le pilote. C'est simplement que là vous tapez dans les freins, vous usez les pneumatiques et qu'il n'est pas question. C'est un dixième. Dominique Meillant répète tout le temps, une course, pour gagner une course d'endurance, il ne faut rien perdre. Et si vous voulez faire du spectacle sur la piste, eh bien vous perdez de précieux dixièmes, précieux centièmes.
je crois que Gary McCoy va être on va pas être très spectaculaire, et puis il a beaucoup à apprendre. Alors question à Gilles de la Posta, tout à l'heure cette équipe du GMT 94 était en troisième position derrière une Honda, me semble-t-il. Oui, c'était la Honda du team national moto, et les positions se sont inversées, hein, puisque la machine numéro 94 a repris la deuxième place. Alors à la faveur d'un ravitaillement qui a été un petit peu décalé entre les deux machines. Il va falloir en fait attendre un tour pour savoir exactement quels sont les écarts. Où en sont. Voilà. Et puis bien sûr les caméras qui s'attardent sur Gary McCoy, parce que vous avez à l'image là les premiers tours de roue officiels de Gary McCoy en compétition, puisqu'il avait fait bien sûr les qualifications. Il avait été impressionné, on l'a dit tout à l'heure, par le rythme des meilleurs pilotes, par le trafic également. On attendra de voir ce que ça va donner également la nuit, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très très peu de temps d'écart entre les temps réalisés la nuit et le jour par les pilotes d'endurance, et que lorsqu'un pilote de vitesse arrive, c'est sans doute un des éléments qui les impressionne le plus, c'est que pour rentrer dans la Dunlop à 276 km/h comme c'était le cas tout à l'heure, deux jours c'est une chose, de nuit c'en est une autre, et il faudra voir si Gary McCoy a la force mentale nécessaire pour y parvenir, et on attend ça avec beaucoup d'impatience. Gilles, il y a quand même eu des séances de nuit cette semaine, en fin de semaine. Oui, bien sûr, oui. Il y a toujours des séances effectuées la journée et la nuit pour s'accoutumer au fait de rouler la nuit, parce que c'est quand même très 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 spécifique. Ouais, on va pas dévoiler un secret en disant que Gary McCoy à cet exercice n'a pas été très très brillant. Hein. Voilà, il cherche chez Marc, faut lui laisser un petit peu de temps. Alors une autre chose à laquelle il va falloir se méfier, c'est qu'il faut absolument que les pilotes, quand ils prennent leur relais, soient incisifs tout de suite. C'est qu'ils fassent tout de suite des temps qui correspondent à leur meilleur temps. Et là, je crois que dans ce tour de lancement, Gary McCoy m'a pas l'air très très incisif. Hein. C'est un très très bon pilote. Hein. Il a juste besoin d'apprendre dans une discipline qu'il découvre et qui, je pense, vraiment l'a surpris par son niveau. Voilà, et pour vous donner une petite information, on parlait donc des séances de nuit. On essaiera de faire venir demain, puisqu'on sera également, on va partager 5 heures d'antenne entre Eurosport France et Eurosport 2 demain avant l'arrivée, de faire venir un des kinés des équipes les plus en vue. Et on verra qu'il y a des. On va être surpris par le travail effectué par les kinés. Et puis des produits également que les pilotes prennent. Alors c'est notamment des fruits. Notamment des fruits. Voilà, qui facilite la dilatation de la pupille pour le pilotage de nuit. Mais vous verrez, il n'y a pas que de la pomme. Hein. Non. Exactement. On parlait des temps, voilà, on vient juste d'avoir le chrono de Gary McCoy dans son tour, dans son deuxième tour, il est tendu 1:42.577. Alors Gary McCoy qui est actuellement en deuxième position et qui tourne en 1:42.987, alors que la machine de tête, celle de Dietrich, la Suzuki numéro 2, elle tourne en 1:42.371, toujours une demi-seconde. À la faveur du pilote d'Orléans. C'est parti, on voit de toute façon que c'est parti plus fort pour Vincent Philippe. Il est beaucoup plus incisif, on voit ses entrées, ses prises d'angle, ses entrées dans les courbes, ses freinages. Gary a un peu de tendance à chercher, à trouver sa place. C'est pas le cas pour Vincent Philippe. Et puis à noter aussi la présence d'un petit tuyau. Alors je ne sais pas s'il y a un gros plan. Oui. Le pilote de la Suzuki, il y a un joli petit tuyau transparent à la hauteur de son épaule à gauche. Il n'est pas bio-ionique. Non, ça sera peut-être un camelback, un truc. Oh là, attention, voilà. Gary McCoy. Voilà. Eh ben Gary, on en parlait tout à l'heure. Pas trop piloté sur l'avant. Hein. Parce que c'est quand même. Les pneus sont censés durer. Ont des gommes. Pas moins performantes qu'une machine de MotoGP, différentes, faites pour durer plus longtemps. Donc c'est vrai que les pilotes qui viennent de la vitesse ont tendance à beaucoup beaucoup rentrer sur les freins et à s'appuyer, notamment Gary McCoy, hein, c'est un spécialiste, à la limite il n'aurait pas droit arrière, on l'a vu faire des choses assez étonnantes. Là en endurance, il ne faut pas trop qu'il s'amuse à ça. Hein. Bon, on revient au petit tuyau pour finir. Oui. Le petit tuyau, ouais, je pense que c'est un camelback, il fait très chaud, hein. J'ai la feuille météo officiellement de Météo France, et on nous annonce des températures moyennes de 22 degrés.
Donc sous le cuir, au soleil. Ouais. Plus la chaleur de la machine, hein, faut savoir que là, derrière la bulle, eh bien, vous avez toutes les remontées des moteurs. Et ça rajoute des degrés supplémentaires. Donc c'est un petit confort, c'est la preuve une fois de plus d'un pilote qui maîtrise bien son sujet. Quoi. Il n'a pas. Chaque détail compte. Ah, ceux qui attendaient Gary McCoy en wheeling et en vis à ça chaque freinage. Ça ne sera pas pour tout de suite. Je ne sais pas si c'est lui qui fera le dernier relais. Peut-être que voilà, sur le dernier tour. En fonction du classement dans le dernier relais ou dans le dernier tour, on laissera peut-être faire son numéro. Là pour l'instant. Mais on le sent plus sûr. Enfin, oui. Sûr. On le sent plus incisif. Voilà, ça y est, il commence petit à petit. Ouais. Il commence petit à petit. Il a trouvé son rythme, c'est un bon. C'est quand même. Voilà. Voilà, une 42-2 hein, dans le premier tour lancé pour Vincent Philippe. C'est... Ils sont à plus d'un tour et demi de l'homme de tête, toujours Dietrich au bilan de la Suzuki numéro 2. Et en deuxième position, la Yamaha GMT 94 avec le brillant australien Gary McCoy qui visiblement s'est calmé. Oui, en tout cas, il a réussi à stabiliser un petit peu ses temps. Et il a pris ses marques, mais il est en train de se faire remonter. Hein. Ouais, et là, voilà, on est à la lutte justement pour cette deuxième position maintenant. Ouais. Devant Gary McCoy, voilà, qui passe à l'écran. Derrière, la 111, la Kawasaki avec Riba, pilote espagnol, lui aussi de très très bon niveau. Et en embuscade, eh bien, Ribalta, voilà. Encore un espagnol sur la Honda 55. Et bref, là, ça va être chaud. Ça va être chaud pour Gary McCoy. On va peut-être avoir le temps de voir le dépassement de Pere Riba sur Gary McCoy. Peut-être pas tarder. Hein. Oui, avant de partir quelques secondes, prendre une petite respiration. Ah, Gary McCoy, il faut quand même aller le chercher. Hein. Ouais, surtout dans les cours très rapides à l'entrée de la Dunlop. Je vous rappelle, tout à l'heure, c'était à 276 km/h pour la Honda 55, qui était alors pilotée par Frédéric Protin. Et je ne crois pas qu'on puisse... attendre jusque-là, il résiste l'ami Gary McCoy et va mettre un point d'honneur à vendre très chèrement sa peau. Est-ce qu'on aura le temps de voir ça? Ça a l'air... Avant de la peau du kangourou, avant de la... Alors là, il vient de retirer une protection d'écran. Et à l'entrée du musée, je crois que c'est à partir de là où il a un ton en dessous, il est un petit peu moins bien. Il va y avoir garage vert, freinage et retour sur la chicane du chemin au bœuf. Allez, il va falloir qu'on marque une petite pause. On va se quitter quelques secondes et puis on revient en direct. De toute façon, on est ensemble jusqu'à 20h sur Eurosport France. 20h jusqu'à 20h ensemble pour cette 29e édition des 24 heures du Mans. Et c'est un marathon pour les pilotes, c'est un marathon aussi pour les commentateurs. Ça va Eric? Pas trop dur pour l'instant? Parce que là, on est pas mal. Bon, allez, on marque une petite... C'est un petit peu plus loin. C'est l'entrée du chemin bleu et ça va être dans les garages bleus. Gary un peu tendre, alors curieusement un peu tendre sur les freins. Vous allez voir, regardez, hop. Ouais, mais ça prouve, hein, ça prouve qu'il est peut-être pas encore totalement en confiance au guidon de cette machine. Donc voilà Pere Riba qui passe. Et puis au virage du raccordement, quelques dizaines de mètres plus loin, c'est Dani Ribalta. Classe. Mais il fait ses classes, ouais. Gary McCoy. Ouais, et puis là, il a quand même comme consigne de la part de Christophe Billot, peut-être de ne pas prendre les risques maximum. Il a parlé du championnat. Ici, c'est vrai que le classement est important, mais c'est parti pour un championnat. Alors que Gary McCoy, il a pris une petite marge, hein. Il a laissé passer ses camarades. Là, visiblement, il n'arrive pas tout à fait à recoller au rythme. Il n'est pas loin. Hein. Non, il n'est pas loin, mais il lui manque cette aisance, notamment dans le trafic, pour rester au moins au contact. Là, c'est l'expérience. Hein. Il n'y a rien à faire. On le rappelle pour ceux qui se poseraient la question, c'est 4 victoires en Grand Prix. Hein. Et acquises de façon spectaculaire. Hein. Toujours. Toujours. Et puis il avait découvert donc ensuite le championnat du monde Superbike il y a 2 ans sur une Ducati. Il avait fini 6e. L'année passée, il avait tenté l'aventure chez Petronas, ça s'était moins bien passé. Il n'a peut-être pas les meilleures machines non plus. Non, non, non.
Après, c'est difficile hein, de revenir quand vous avez été au sommet, comme ça a été le cas pour ce pilote australien, gagner des grands prix. Ensuite, je trouve qu'il a plutôt fait une bonne saison avec cette sixième place en Superbike. Mais voilà, il faut pas rater les opportunités parce que personne ne vous attend à ce niveau. Et voilà, il a été repêché, on va dire, par Christophe Guyot pour faire de l'endurance. On va voir si le team manager de l'écurie GMT a eu raison. Et les deux hommes ont été rejoints, c'est la bonne surprise là sur les dernières minutes par Gary McCoy qui avait perdu beaucoup de terrain et qui finalement sur la fin de son premier relais est peut-être en train de prendre ses marques plus rapidement que ce à quoi on pouvait s'attendre parce qu'il était distancé hein, très sincèrement et on pouvait craindre le pire. Et finalement et bien, il est en train de ramarrer les deux hommes et il va sans doute finir son relais avec eux deux. C'est en tout cas le projet qu'il a dû se fixer. Alors là pour Gary McCoy qui arrive lui aussi en fin de relais avec des pneus qui doivent commencer à avoir un petit peu souffert. Cela dit, c'est un équilibriste hein, l'Australien. Je pense que c'est pas un travers qui va le déranger. Par contre, en termes de chrono pur, ça, voilà, c'est pas très payant. Hein. Une 42.6. Alors que devant la Suzuki, c'est une 41.5, ouais, une grosse seconde. Ouais, c'est clair qu'il y a encore une différence en termes de chrono pur. Gary qui rentre dans les derniers, dans la dernière partie du circuit. Ah, il va certainement de rentrer au stand. Je n'ai pas vu faire signe au pilote qu'il venait de doubler, donc je suppose qu'il va refaire un tour. Et voilà, il n'a pas pris du tout la voie des stands. Il continue avec Gary McCoy. On a quand même l'impression que je pense que ce chrono de 42.6 là n'est pas très très sympathique pour l'Australien qui doit aller quand même un peu plus vite. Mais bon, c'est clair que par contre, dès qu'il y a du trafic, il perd plus de temps que ses adversaires directs parce qu'il a moins d'expérience. Il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il ne veut pas prendre de risques. Oui. Par contre, le point négatif, c'est qu'on est quand même obligé. Il y a une prise de risque qu'il faut aller chercher. Parce que sinon, voilà, les écarts, une 41.5, une 43.5, 2 secondes. Mmh. C'est-à-dire, je peux vous assurer que pour récupérer les 2 secondes qu'il vient de prendre sur un tour, oui, c'est pas ça va demander du temps. Hein. Non, là... Mais voilà, il est sur la défensive, hein, c'est net. Il relève la machine, il cherche. Hein. Regardez, dans la même situation, je pense qu'on sera amené à le voir, hein, Vincent Philippe. Il aura dépassé déjà les deux hommes qui sont devant lui. Hein. William Cost, il ne se serait pas posé ce genre de questions. Et encore une fois, ce n'est pas du tout un critère de jugement par rapport aux qualités non, de pilote. Non, c'est un constat. Il suffit de Gary McCoy, c'est voilà. Juste une question d'expérience. Hein, qu'on ne vienne pas nous dire, oui, voilà, vous avez détaillé Gary McCoy, il va plus vite que vous. Oui, voilà. Ça, on s'en doute. Ouais, chacun son boulot d'un autre côté. Hein. Ouais, mais c'est bon. Pas, voilà, c'est pas, on, voilà. Va essayer, on reste quand même, je pense qu'on essaye de rester impartial. Voilà. Et ce n'est pas un jugement, une fois de plus, sur les qualités du pilote. On vous l'a dit, l'endurance, c'est une, c'est un voilà, sport à part entière. Il rentre un signe avec le pied droit et il emprunte tout de suite la voie des stands au lieu d'aller chercher le raccordement là-bas, le double droit. Et un ravitaillement, je suppose, pour Sébastien Gimbert. Ça paraît très logique. En tout cas, si l'ordre normal est respecté, ouais. Voilà, ce sera Sébastien Gimbert qui va prendre dans quelques secondes le relais. Et alors, les pneumatiques. On va s'avancer, on va prendre un petit risque, mais normalement d'ici quelques minutes, Christophe Guyot, que vous apercevez de dos, là, devrait venir nous ce ravitaillement. Voilà, nous dire un petit mot. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'alerte, il viendra nous expliquer un petit peu. On fait le plein maintenant de la Yamaha 94, on va attendre que ça refoule, c'est fait. Et c'est Sébastien Gimbert. Effectivement, si les promesses du team GMT sont tenues, eh bien Christophe ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Et on a plein de questions à lui poser. Hein, parce que et ça serait vraiment sympa parce que c'est un gros effort. Hein, il est sympa. pour un team manager de quitter, quitter son stand pour venir passer Gary quelques McCoy. Minutes. Est-ce qu'il est marqué ou pas? Alors c'est ce qu'on va voir. C'est un moment important. Peut-être pas sur ce premier relais, mais en tout cas, au fur et à mesure que les relais vont s'enchaîner, il aura peut-être un peu plus de mal à récupérer. Ouais, puis la nuit. Hein. La nuit, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Piloter, surtout, vous l'avez fait remarquer en début de course, Gilles. Les écarts sont très faibles entre les chronos réalisés le jour et ceux réalisés la nuit.
Et ça, c'est quand même une vraie performance parce que, voilà, quand vous conduisez votre voiture, c'est assez simple, hein, et que vous êtes au volant la nuit. Fatalement, les repères n'arrivent pas pareil. Ce ne sont pas les mêmes et vous n'êtes pas sur un circuit. Donc, imaginez le travail de ces garçons avec à gérer la visibilité, le trafic et l'état de la piste. Ouais, vraiment, c'est pour ça qu'il faut vraiment leur rendre hommage parce que ce sont vraiment de grands pilotes, on ne cesse de le dire, mais c'est le leitmotiv, hein, aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est reparti pour cette Yamaha numéro 94 avec à son guidon Sébastien Gimbert en deuxième position. Et puis devant, toujours la Suzuki numéro 2 emmenée par cette fois Julien Dacosta. Alors on doit suivre là, voilà, la Yamaha numéro 3. Alors juste avant de marquer une petite pause, on va chercher la trace de cette machine du Team Phase One avec Warwick Noland qui est en 35e position. Elle a dû avoir des grosses déceptions pour arriver si loin dans le classement. Ouais, quelle que soit la raison de ce classement, pour le moment c'est une déception pour le team anglais, je crois vice-champion du monde, ou en tout cas extrêmement bien placé l'an dernier, et qui là. Et loin du compte. Hein. Bah, je crois qu'ils avaient terminé 3e du championnat l'an dernier. Bref, c'est une équipe de pointe. Ouais. Alors, là, elle n'est pas à sa place, visiblement, un problème mécanique. On essaiera d'en savoir plus tout à l'heure quand on réussira à se libérer. Exactement. Ce qui n'est pas fait. Non. J'ai essayé, c'est pas fait. Hein. On va marquer une courte pause et puis on revient très vite, toujours en direct sur le circuit Bugatti. Merci de rester avec nous. On fait un petit détour par la régie d'ici les Moulineaux et on revient très vite au Mans. A tout de suite. Et c'est reparti sur le circuit Bugatti au Mans où ces 24 heures du Mans Moto se poursuivent. On en est donc à un peu plus de 3 heures maintenant de course, un peu plus de 3 heures que nous sommes ensemble depuis que le drapeau bleu, blanc, rouge n'ait été agité pour signifier le lancement des hostilités sur le circuit Bugatti est donc une course qui nous a réservé jusqu'à présent déjà de nombreux rebondissements avec le principal fait de course, la chute de la machine de tête, la Suzuki numéro 1 durant la deuxième heure de course. Et on se retrouve maintenant avec donc la Suzuki numéro 2 en tête avec une avance assez confortable pour le moment mais qui peut être remise en cause à tout instant. Et en deuxième position, la Yamaha numéro 94 emmenée par un Sébastien Gimbert qui a du mal là à se défaire de la Yamaha numéro 3, preuve que elle est bel et bien extrêmement performante. Et là oui, attention, hein, pas prendre de risques dans cette courbe Dunlop. Et puis derrière toujours cette diablesse de Honda numéro 55. Bonne surprise, hein, pour cet équipage privé avec Olivier Four à ses commandes en troisième position au contact de la Yamaha du GMT 94. Ouais, Olivier Four qui est le plus rapide en piste en ce moment, 1:41.350 contre 1:41.7 pour Gimbert, 1:41.7 qui fait jeu égal Dacosta. Donc c'est lui un peu qui fait figure d'épouvantail là. C'est vraiment très belle course de cet équipage de la Honda 55. Il est revenu en fait, hein, sur Sébastien Gimbert, Olivier Four, et maintenant il va tenter de rester dans le sillage. Ah oui, regardez, il y a la 94 là, un petit peu à la dérive sur les freins, parce que là il faut stabiliser, il y a beaucoup de monde autour, beaucoup de trafic là. Oui, là c'est un moment chaud. Ouais. Là ça fait partie de ces moments clés, et puis le soleil, la visibilité qui commence un peu à décliner, on a le soleil nous ici en cabine, on commence à l'avoir dans les yeux. Les pilotes, c'est le même problème. C'est l'avantage d'un personnage comme Christophe Guillot, hein, c'est que s'il peut, on sait qu'il viendra. Ça fait partie de ses qualités, effectivement. Ouais. Il y a quelqu'un qui... Parce que là, on vous l'a dit tout à l'heure, on a plein de questions à lui poser, notamment sur les choix tactiques ou sur les pneumatiques. Il a dit un duel annoncé entre Pirelli d'un côté avec cette Yamaha 94 et puis Dunlop avec notamment la Suzuki de tête. Et en quatrième position, le voici ce classement, en quatrième position donc la Yamaha du GMT 94 qui a connu une nuit difficile, on va y revenir. Et donc elle était sur le point de rentrer, en tout cas de monter sur le podium, et puis elle a eu pas mal de soucis. Elle se retrouve désormais à près de 9 tours maintenant
14 même si mes calculs sont bons, de la première position on trouve. Et puis la nuit très très difficile pour la machine du GMT 94 avec tout d'abord un problème tout bête de feu arrière. Vous savez que c'est obligatoire d'avoir le feu avant et arrière qui fonctionne, et là en fait il y aura simplement un petit problème de batterie, mais ce sont des longues secondes d'arrêt au stand qui vont coûter très très cher, et il va falloir ensuite rentrer la moto dans le stand pour effectuer la petite réparation. Oui, à ce moment de la course, cette machine, cette Yamaha numéro 94, était en deuxième position et il y avait moins de 20 secondes qu'il séparait de la Suzuki de tête. Et puis là, c'est le moment redouté par tous les teams. C'est l'incident mineur, mais qui va venir complètement fausser la course. Voilà, et le temps de repartir, les places sur le podium se seront éloignées dans un premier temps. Et puis cette équipe du GMT qui a été handicapée, n'ayons pas peur des mots, je crois qu'il faut le dire, par l'inexpérience de Gary McCoy la nuit. Il a tourné 2, 3, 4 secondes parfois, voire plus. Voilà, moins vite que ses adversaires directs. La nuit, c'est vraiment l'exercice spécifique à l'endurance, pas seulement pour les mécanos, mais pour les pilotes. Et là, il faut être véritablement aguerri. Là, on voit arriver la 94 et ça tombe bien. Vous allez me dire pourquoi, parce qu'à nos côtés, nous avons Christophe Guillot. Merci Christophe d'être venu nous parler un petit peu de cette nuit d'enfer pour vous. Ah oui, il n'y a pas d'autre mot. Bon, non. Cela dit, rien de très original, vous savez, des chutes. Alors on a vu dans un premier temps le souci de feu arrière, et là donc le retour au stand de la machine après la chute de David Tcheka. Et un problème assez bête finalement, c'est une patte de fixation d'échappement, c'est ça ? Oui, voilà, donc de toute façon après une chute on peut s'attendre à avoir quelques... Ah oui, c'est très technique, on voit pour changer les. Il faut quand même de l'outillage très précis. Voilà, de toute façon c'est clair qu'il faut faire dans l'urgence, il faut arriver à réparer le plus rapidement possible. Quand on regarde finalement le nombre de pépins qu'on a eu entre les pescards au mauvais moment, la panne électrique, la chute de David, en tout c'est 20 minutes. C'est à la fois énorme sur une course et pas grand chose quand on regarde bien. Oui, là vous accumulez quand même 13 tours de retard. Oui, ça fait 20 minutes. Voilà, vous étiez effectivement avant les problèmes, avant la nuit, à 20 secondes de la Suzuki. Vous étiez donc en bagarre, c'est assez étonnant. On retrouvait à ce moment-là ce qui se passait l'année dernière, puisque l'arrivée, je vous le rappelle, c'était joué à 20 secondes, mais à votre avantage. Au moment, juste avant la nuit, c'était l'inverse. Et puis là, coup de théâtre. On a un petit peu parlé, on a même beaucoup parlé du choix des pilotes, et notamment vous avez choisi vous Gary McCoy. On sait qu'en endurance la nuit est un moment très très important et que les pilotes doivent être capables d'aligner des temps pratiquement similaires à ceux du jour. Le manque d'expérience du pilote australien a été vous avez payé un petit peu la note à ce moment-là. Oui, de toute façon, on savait que c'était un pari, mais il n'y avait pas beaucoup de solutions. Le championnat du monde Superbike a lieu en même temps à Valence. Pénurie de pilotes, puisque tous les pilotes français d'ailleurs ou étrangers attendaient de toute façon, avant de pouvoir s'engager aux 24 heures du Mans, l'opportunité éventuelle de courir à Valence. Donc c'est vrai qu'un top pilote essaie d'abord de courir en championnat du monde Superbike avant les 24 heures du Mans, et c'était le gros problème qu'on nous avait rencontré. Donc en tout cas, Gary McCoy a répondu positivement, avec beaucoup d'enthousiasme pour faire cette course. Il n'avait pas expérience, mais a priori la vitesse, il l'a trouvé en tout cas en course sur le 2 jours. Alors de nuit, c'est vrai que ça a été pas ça du tout. Mais en attendant, il est courageux, et puis il a un problème d'épaule aussi, un problème physique. Il est courageux, il est agréable à vivre. Ça restera une expérience intéressante. Ça doit être un petit peu frustrant quand on est team manager d'une équipe de pointe, une équipe qui se bat pour la victoire, de ne pas pouvoir avoir un pilote au niveau de la machine. Non, c'est très frustrant. Il est clair que cette situation ne pourra pas se reproduire pour nous. C'est évident que de ne pas pouvoir trouver un pilote parce qu'il y a une autre course en même temps qui utilise des motos exactement identiques, similaires à celle-ci. Non, ce ne sera pas envisageable. En plus, on est engagé dans les deux disciplines, donc il faudra faire un choix à un moment. Et le plus aberrant étant que l'organisateur des deux disciplines, le championnat du monde d'endurance et le championnat du monde de Superbike, est le même. Donc là, il y a vraiment eu un souci, et on peut quand même penser que ça ne se reproduira pas, parce que c'est quand même assez hallucinant comme situation. Alors là, j'irai peut-être pas jusque-là. De toute façon, là, après, il faudra
je pense, poser la question aux gens concernés. Au départ, il y avait un calendrier qui était défini, les dates n'étaient pas, en tout cas les dates étaient tout à fait correctes, enfin, il n'y avait pas de soucis. Il n'y avait pas de concordance, ouais. Non, pas de concordance, et puis ça a changé. Bon, c'est vraiment dommage pour vous, là, parce qu'on sent qu'il y a... Il manquait pas grand chose et que le résultat est assez loin des espérances. Oui, enfin cela dit, on le savait, on était prévenu. C'est pour ça qu'on était si content d'ailleurs de faire la pole position, parce qu'on s'était dit, là ça fait au moins ça de prix, on montre au moins qu'on est compétitif, qu'on est là, c'est une course qui est vraiment faite pour nous sur mesure, et on savait qu'après on serait en difficulté. C'était dès le départ, et on en avait parlé avec Jean-Claude Olivier, on était conscient qu'on avait un souci avec le troisième pilote et qui est directement lié à cette situation complètement anormale pour nous. D'accord. Et la solution utilisée par Jean-Claude Meillant, qui est celle du junior team, on en a parlé tout à l'heure, on voit que c'est payant quand on voit ce que fait Guillaume Dietrich, qui est un pur produit de cette filière. On peut imaginer que c'est une solution d'avenir. Ça se fait en Formule 1, ça se fait dans d'autres disciplines. Oui, alors cela dit... Nous, on a une autre façon de faire pour l'instant. Je ne sais pas si un jour je m'occuperai d'un junior team comme ça. On verra. Ça fait partie des projets possibles dans le futur. Quoique j'ai d'autres ambitions, peut-être dans d'autres championnats. Dans un premier temps, on verra. Ah, un scoop ? Non, on est inscrit, vous savez, en championnat du monde supersport. C'est pour David qu'on l'a fait, pour lui permettre d'avoir un programme sportif en dehors des 24 heures du Mans et du Bol d'Or, qui reste quand même la priorité de notre équipe pour l'instant. Mais. Non, on a par contre avec toutes les motos Yamaha, équipées Pirelli, je pense à la Yamaha numéro 7, la de Yamaha Austria, Powerbike, avec qui on a des relations exceptionnelles, on essaie de se soutenir les uns les autres. Alors bon, ces trois motos n'ont pas été chanceuses, les trois. Non, visiblement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, elles avaient la performance. Et puis... Juste un petit mot. Tout à l'heure, on a vu un moment de panique là, avant qu'on reprenne l'antenne. On annonçait de la pluie. Et là, on vous a vu tout le monde se regrouper. Dominique Meillant, vous, Christian Lavieille, juste à côté. Donc tous ces team managers qui jouent le podium. Il y a eu un moment de flottement. Comment ça gère dans ces cas-là? On sort sa grenouille. On appelle France Météo. Si la pluie était arrivée, c'est vrai que pour nous, elle serait arrivée au bon moment, parce que Sébastien Gimbert devait prendre son relais peu de temps après, et c'est vrai que Gimbert sous la pluie, ça peut être exceptionnel, hein. Ça peut vraiment être énorme ce qu'il est capable de faire. Il l'a prouvé ici en championnat de France d'ailleurs au Mans, et avec les Pirelli tout particulièrement. Donc c'est vrai que j'ai pensé peut-être à un gros coup en cas de pluie. Bon, un coup de poker encore une fois. Il reste 5h48 de course quand même. Encore une fois, rien n'est jamais perdu. On peut pas, si on est encore en course, c'est parce que l'espoir est toujours permis. Et regardez les temps que réalise Gimbert, regardez comment il se donne. Il réalise 1:40.468. Hein, c'est plus vite pratiquement que certains pilotes qui sont devant hier, alors qu'ils venaient de partir. Et là, il aligne des temps. Une seconde plus rapide que ses petits camarades. Entre une seconde et une seconde et demie. Et il rebat encore son propre temps. 1:40.309, il est remonté. Ouais, c'est-à-dire qu'il roule quand même une seconde plus vite que les deux motos qui sont en bagarre véritablement pour la deuxième et troisième place. Parce que en ce qui nous concerne, notre attitude, c'est de dire bon, c'est un petit peu perdu, c'est vrai, mais on continue de se battre jusqu'au bout. Il y a un podium peut-être au bout. On se bat. Après, on verra, on fera les comptes. L'autre chose, c'est quand même, on le rappelle, hein, les 24 heures du Mans cette année, ça a réintégré le championnat du monde d'endurance. Donc il y a quand même des gros points à la clé. Nous, en tout cas, on ne le joue pas, le championnat. Les gros points, c'est plutôt pour la Bala 1, essentiellement d'ailleurs. Puisque c'est la seule moto. Et oui, la 1 qui joue devant la Bolliger. Le team Bolliger, oui, qui est pour l'instant en cinquième position. Mais la réintégration des 24 heures et du Bol d'Or au championnat du monde d'endurance, ça vous donne pas peut-être la possibilité? Pour l'instant, votre structure est peut-être pas assez grande pour faire le mondial superbike et l'endurance. Ah oui, de toute façon, vous savez, en ce qui nous concerne, on avait toujours dit que le jour où on aurait fait le championnat du monde d'endurance, on passera à autre chose. On a eu du mal à l'obtenir, ça s'est fait pas facilement. Et c'est vrai que toutes ces années où je ne l'obtenais pas, je disais de toute façon, je continue parce que. Il faut d'abord l'avoir avant de faire autre chose. C'est le problème. Voilà, exactement. Bon, maintenant qu'on l'a eu, c'est vrai que non, on n'y reviendra pas. Bon, on vous attend peut-être en mondial de vitesse. On verra, mais pour l'instant. Quelque chose en son temps.
pour répondre vraiment à la question du championnat du monde et d'endurance, il est clair que c'est vraiment une excellente chose. C'est super que le championnat, que le Mans en tout cas et le Bloc d'Or aient réintégré le championnat du monde d'endurance. De toute façon, c'est une excellente nouvelle. 94 avec Sébastien Gimbert en quatrième position, mais qui lui tourne aussi dans les mêmes temps que les trois hommes de tête. Une 41-0 pour Sébastien. Alors certainement une petite frustration, hein, parce que cette machine pouvait elle aussi prétendre à la victoire. Il reste sur le titre décroché l'an dernier. Bon, ça fait partie de la course et puis il reste 5h39. Donc une fois de plus, il va encore se passer des choses. C'est un petit peu ce que Christophe Guyot nous disait, hein. Toutes les équipes de pointe avaient un pari ou un risque au niveau des pilotes. Mathieu Lagrive avec son métacarpe cassé, ça représentait un risque dont Dominique Maignan se serait volontiers passé. Alors que là, voilà, c'est le retour. Et là, c'est vraiment dommage parce qu'elle était roulante, hein, la Suzuki du team SRK. C'est la deuxième chute là, dans les graviers qui a été fatale. Et du coup, là, ça va être long parce qu'il a chuté au virage du musée. Et même en prenant les raccourcis, parce que là, maintenant, c'est autorisé. Il y a des voies de dégagement pour que les pilotes puissent ramener leur machine le plus rapidement possible au stand. Et bien là, ça va être long. Et surtout qu'il semblerait que peut-être le sélecteur qui bloque, ou il y a quelque chose qui empêche qu'on puisse pousser cette machine comme il faut. Et là, c'est beaucoup, beaucoup de temps perdu. Ouais, là, ça va vraiment être très, très dur pour Eric Thomas, qui était sur le point de repartir. Et puis... Bon, la chute, la fatigue. Ouais. Et là, il a refait une petite bêtise dans le bac à gravier. Et là, les dégâts ont tout de suite été un peu plus importants. Et devant, toujours Julien Dacosta, une 41-8 pour l'ancien pensionnaire de l'équipe de France. Et une 41-2 hein, pour Sébastien Gimbert, qui reste l'homme le plus rapide en piste actuellement. Ils ont encore une carte à jouer, hein, cette Yamaha du team GMT 94 qui n'a que 600, qui n'a, tout est relatif, 630 tours à son compteur, alors que devant la Suzuki de tête, lui, elle en a 643. Mais ce qu'il vise, c'est le podium, c'est au moins la troisième marche, et ce qui est tout à fait possible. Il faut quand même féliciter hein, ces pilotes, Sébastien Gimbert, David Checa, qui partaient pour jouer la gagne, qui se retrouvent là maintenant en lutte pour une place sur le podium, sachant qu'ils ne font pas l'intégralité du championnat du monde d'endurance. C'est vraiment pour le sport, pour la passion qu'ils font ça, parce que ça ne changerait pas grand-chose hein, de toute façon, qu'ils finissent quatrième ou troisième, si ce n'est bien sûr monter sur le podium, et ça, point de vue image, c'est toujours important. Oui, ils restent quand même sur une pole position, ils restent sur une victoire, c'est les tenants du titre ici au Mans. Vous le rappelle, l'an dernier, ils s'étaient imposés avec 20 secondes d'avance sur la Suzuki. Donc voilà, ils partaient pour remettre leur titre en jeu. Bon, il faut aussi se dire qu'ils font rouler cette machine, parce que c'est important de faire un test grandeur nature. Il va y avoir d'autres courses, il va y avoir le Bol d'Or notamment, et c'est important de faire un point au niveau mécanique. Le règlement a un petit peu changé, évolué. Les constructeurs au niveau moteur ont peut-être pris des risques qu'ils ne maîtrisent pas complètement pour l'instant en termes de fiabilité. Donc en plus du podium, il y a aussi ce test, savoir est-ce que la machine, en faisant des chronos qui leur permettraient de gagner en temps normal, est-ce qu'elle va résister. Donc c'est un autre enjeu. À respirer, faire le vide et repartir comme si de rien n'était. Voilà, parce que bon, ils ont perdu du temps, mais visiblement ils ont toujours cette troisième place. Ouais, ils ont dû perdre un tour et demi. Les pilotes de la 94. Hein. Mais oui, c'est clair, ça donne raison en tout cas à Christophe Guyot qui nous disait tout à l'heure que quoi qu'il arrive, on continue à se battre et on verra à la fin ce qu'il en sera pour nous. Et Sébastien Gimbert en a profité pour effectivement récupérer une partie du retard, on peut dire un tour et demi de repris pour la Yamaha. Numéro 94, mais on va quand même garder un œil sur cette Suzuki numéro 1 qui a encore connu donc un petit pépin. On va regarder les chronos parce que pour le moment une 44-02 pour Mathieu Lagrive. Bon, c'est son tour de lancement. Il doit, s'il a eu un problème mécanique, il doit aussi reprendre un petit peu confiance. Donc là, ça ne veut l'autre écurie qui joue le championnat, c'est évidemment Suzuki qui reste sur une première victoire cette année à Assen. Il y a 15 jours, 500 km.
Vincent Philippe. Pour l'instant, eh bien, ils sont bien partis, hein, puisque les deux machines du CERT de Dominique Meillant sont pour l'instant classées première et troisième, et qu'il y ait le Bayard pour le doublé. Ici si Sébastien Gimbert dans le trafic qui fait tout son possible pour continuer à reprendre du temps à Mathieu Lagrive. Là c'est un beau duel, hein, entre Sébastien Gimbert et Mathieu Lagrive. En termes de chrono, un léger avantage pour Mathieu. 1.41.1 contre 1.41.7 pour Sébastien. Un écart, là c'est pas du pilotage, c'est pas au niveau pilotage, c'est le trafic. On peut le voir sur les images. Risque zéro pour ces pilotes à 5 heures, un peu plus de 5 heures, 5h08 de l'arrivée. Donc on ne va pas aller non plus tenter le diable. Alors que eh bien maintenant dans le studio, on va avoir dans pas longtemps des gens qu'on aime bien ici. Hein, je crois que tout le monde les aime bien. Ouais, ils ont la cote en plus. Ouais. Ils ont la cote, c'est l'équipe des pompiers. De la numéro 18. Et voilà. Alors, il s'est passé plein de choses. On va en parler tout de suite. Bah oui, il s'est passé malheureusement une panne qu'on n'a jamais eue. L'alternateur a cédé vers 2h30. Donc, le temps d'ouvrir le carter, de changer cette pièce. C'est 5 tours qui sont partis. Et puis, ce matin, et bien 5 tours en plus, ça nous fait 16. Quoi. Ah, vous êtes 16e, mais bon, vous allez pouvoir peut-être rentrer dans les 10 premiers. Oui, en tout cas, c'est l'objectif de cette machine numéro 18 qui est pour l'instant pilotée par Guillaume Grelot et qui occupe la 16e place. Mais c'est plutôt serré, hein, derrière, entre la 15e et la 16e place. Eh bien, et voilà, on a juste une toute petite minute donc pour revenir sur cette machine numéro 18. L'objectif là maintenant, ça va être d'essayer de grappiller quelques places encore. Oui, je pense qu'il y a deux places qui sont possibles pour nous. Malheureusement, si pour notre équipe, il se passe pas grand-chose devant pour les équipes potentiellement supérieures à nous. Donc à la régulière, pour l'instant, on peut rien faire, sauf, je vous dis, une ou deux places. Donc on vous souhaite de rentrer dans les 15 premiers. On va suivre ça avec attention, parce que maintenant, je pense qu'on va pas tarder à céder l'antenne. Ouais, c'est dommage. Hein. Merci en tout cas. On va se quitter là d'ici une vingtaine de secondes. Prochain rendez-vous avec les 24 heures du Mans, et bien toujours sur Eurosport France à 10h45. Et puis il y aura un petit peu plus tôt de la moto avec le super stock à Valence à partir de 10h30 sur Eurosport 2 et à midi il y aura également la première manche, hein, du Superbike à Valence toujours sur Eurosport 2. En ce qui concerne les 24 heures du Mans, on se retrouve dans 3 gros quarts d'heure pour la suite de cette classique sartoise. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve tout à l'heure, bye bye. On arrive au cœur de la tempête sur les 24 heures du Mans, tempête de ciel bleu d'abord côté météo, mais surtout tout simplement parce que la machine de tête est pour l'instant au stand et elle est immobilisée depuis de longues minutes maintenant, problème au niveau du moteur, hein, sur la Suzuki numéro 2, et que à quelques secondes d'intervalle, eh bien c'est Gary McCoy, le représentant du GMT 94, qui est parti lui à la faute, le grand nouveau de l'endurance qui est donc venu prêter main forte à l'équipe de Christophe Guyot qui s'est fait piéger à la sortie du Dunlop et on n'a pas vu la chute pour tout vous dire. Vu la position du pilote, on peut supposer que c'est sur les freins au moment où il passe de 280 km/h à ce premier gauche qui doit se négocier aux alentours de 140-150, et bien qu'il a perdu l'avant parce que la machine on ne l'a pas à l'écran, mais on la verra un peu plus tard poussée par les commissaires à droite, et Gary McCoy qui reste un long moment à genoux au bord de la piste. Et là, c'est dans le team GMT, on voit Christophe Guyot là à l'écran. McCoy qui a été emmené pour un petit check-up au service médical vient d'être ramené. Et là maintenant, le règlement précise que du moment que le pilote, il peut être emmené par l'ambulance, du moment qu'il est ramené ensuite à côté de sa moto, et c'est lui qui doit ramener la machine au stand si il ne veut pas être considéré comme un équipage qui abandonne. Donc là, Gary McCoy, visiblement, a eu l'autorisation des médecins de la CO de reprendre...
sa machine, de revenir à sa machine. Et là, il doit faire un demi-tour. Ça va être très long pour lui, hein, de ramener cette Yamaha 94 à ses stands. Et puis ensuite, il va falloir regarder ce qui s'est passé. Il y a déjà deux mécanos, hein, de l'équipe du GMT. Un téléphone portable, là. Un des deux, c'est, là, il n'appelle pas sa petite copine. Il est simplement en train de prévenir le stand. Lui, il a fait, voilà il est à l'autre bout du téléphone. Et il sait exactement ce qui s'est passé. Ils savent s'il faut préparer des pièces ou si on va être obligé de plier. Alors par contre, les deux mécaniciens n'ont absolument pas le droit d'aider Gary McCoy qui doit ramener tout seul la machine au stand. Et je sais pas, il doit faire 50 kilos, hein, Gary McCoy. C'est vraiment, vraiment c'est un gabarit de crevette. Il n'y a qu'un commissaire qui a le droit, là, c'est ce qu'on voit. Du moment que Gary McCoy est sur la machine, il a le droit d'être aidé et poussé par un commissaire, mais pas du tout par les membres de son équipe. On voit deux mécaniciens ici qui l'entourent, cette 94. Eux, ils font le check-up de la machine. Ils sont en direct au téléphone. Voilà, il a réussi à démarrer. Mais attendez-vous à un nouveau bouleversement, en tout cas sur le tapis vert, parce que là, on a vu Dominique Meillant faire un petit peu les gros yeux, hein, à Christophe Billot. Ça veut peut-être dire qu'il a épluché le règlement et qu'il est en train de dire « Vous n'avez pas le droit de ramener cette machine », alors que pour ce qu'on a vu, nous, hein, il n'y a pas de raison que cette machine soit déclarée abandon. Gary McCoy est de retour dans le stand du GMT 94. On va pouvoir faire le point maintenant sur les dégâts, commencer à réparer le plus vite possible. On a plus que jamais, alors que eh bien dans le team 94, on a encore beaucoup de boulot, hein, pour remettre cette Yamaha en état, parce qu'une chute, une glisse à 280 km/h, même si la machine ne part pas en tonneau, eh bien ça entame quand même la mécanique. Ça fait beaucoup de dégâts. Alors, on va marquer une pause assez rapidement et puis ensuite on revient, on refait le point et puis on repartira pour un moment, on l'espère, un petit peu plus calme pour pouvoir analyser tout ça un petit peu plus en profondeur. C'est juste qu'ils risquent de perdre énormément de temps et qu'ils n'ont plus rien à prouver. Alors après, peut-être qu'ils font rerouler cette machine pour aller jusqu'au bout et pour voir si mécaniquement elle peut tenir. C'est un peu le pari qu'on avait évoqué en termes de mécanique, savoir si ça allait tenir. Eh bien, visiblement, chez Suzuki, on a des soucis. Sur la Yamaha 94, par contre, eh bien, on vient de refaire une beauté à cette machine. On va refaire le plein. On va faire repartir certainement Gary McCoy. Ça m'étonnerait quand même. Là, il est entamé. Ça va être Sébastien Gimbert. Ils sont toujours quatrième pour l'instant, avec 674 tours. Donc, on va dire qu'ils ont limité les dégâts. Ce qu'on aimerait savoir, là, on a envoyé un de nos informateurs, un de nos agents secrets, pour avoir un éclaircissement sur ce qui s'est dit entre Dominique Meillant tout à l'heure et Christophe Guyot, parce que visiblement, le team manager de l'écurie Suzuki avait... il n'est pas simplement lui demander quel temps il allait faire et s'il était content d'être au Mans aujourd'hui. Oui, petite chose, je ne sais pas si c'était un débris sur la sortie de la pit lane. En tout cas, il y a quelque chose qui a giclé de la moto numéro 94. Il faudra garder ça à l'œil. La machine numéro 94 qui est donc à 9 tours de la Suzuki numéro 2 pour une place sur le podium. Parce que c'est maintenant comme ça, hein, qu'il va falloir calculer. Ça veut dire que Sébastien Gimbert doit faire 9 tours pour récupérer la troisième place. Et pendant ce temps, Daniel Ribalta caracole toujours en tête au guidon de cette machine. Et puis alors chez Suzuki, on a eu quelques minutes avant les soucis de la numéro 2 qui était en tête. Et bien un problème aussi très important sur la machine du Junior Team, la numéro 72, qui elle a été victime d'un bris de soupape. Et ça, c'est un problème éminemment grave, hein. Bien sûr, il faut énormément de temps pour réparer ce genre de soucis. Et là, dans ces cas-là, on voit la numéro 2, je pense que ça sent l'abandon, d'ailleurs, me semble-t-il. J'ai pas vu le moteur. Oui, et en tout cas, ça marche moins bien dans ces cas-là. Il manque un moteur, oui, effectivement, ça risque d'aller un peu moins vite dans ces conditions. Alors, ce qui est alarmant pour Suzuki, c'est qu'effectivement, on a vu coup sur coup la 72 qui était en tête de sa catégorie abandonnée sur bris de soupape, et un petit peu avant c'était celle de Gérard Jolivet, oui, exact, qui était aussi qui a dû abandonner sur le même type de problème. Et en général, comme c'est quand même des moteurs dérivés de la série qui emploient les mêmes pièces, et bien quand il y a un bris mécanique sur un des moteurs, en général ça se répercute sur les autres, et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est une cascade de problèmes sur les machines.
machine du CERT. Là. Et ça y est, c'est fait. Confirmation de l'abandon de la machine numéro 2, moteur cassé pour William Coste, pour Guillaume Dietrich et pour Julien Dacosta. Ça, c'est vraiment un coup dur, mais c'est l'essence même de l'endurance. Tout peut arriver. On avait parlé de ce compromis difficile à trouver entre les performances autorisées par la spécification Superbike due à l'intégration des 24 heures du Mans dans le championnat du monde d'endurance, et puis cet impératif de fiabilité. On savait que certaines pièces, certains moteurs avaient été testés jusqu'à 5000 km, mais qu'on avait rajouté... C'est jamais tout à fait la même chose hein, entre ce qu'on fait au banc d'essai et ce qui se passe en course. C'est très très difficile de cerner, enfin de réunir en tout cas les mêmes conditions. Et donc du coup on se retrouve avec une inconnue qui est en train de se matérialiser pour l'équipe Suzuki par le biais de cette casse moteur pour la machine numéro 2. Il faut rappeler qu'il y a quelques minutes avant qu'on retrouve l'antenne en direct, la numéro 1 était repassée par les stands. Petit problème, un support d'échappement. Voilà, qui avait cassé. Mais ça prouve que la réussite n'est pas aujourd'hui dans le camp de Suzuki. Alors... Et vous avez vu à la vitesse à laquelle ça évolue, plus des chutes qu'on n'a pas vues à l'écran parce qu'on n'était pas à l'antenne, c'était pas les favoris, mais il y a eu quelques chutes spectaculaires et qui ont obligé les pilotes à abandonner, parce que là, ce qui se passe, c'est que ce circuit est quand même extrêmement rapide, et même s'il y a des dégagements, il y a des grands bacs à gravier, et tout à l'heure on a vu un pilote à la 33 tomber, se relever, la machine visiblement a redémarré, donc ça allait bien. Et puis le pilote, sous la fatigue, a perdu le contrôle dans le bac à gravier. Et là, il a rempli le moteur de sable et ça a été l'abandon sur casse mécanique. Donc, vous voyez, ça joue à pas grand-chose. Hein. En tout cas, on retrouve ici Sébastien Gimbert qui, lui, essaye de recoller, de mettre la pression maintenant sur les adversaires qui le précèdent. Il y a 11 tours d'écart entre Sébastien Gimbert et Vincent Philippe qui occupe la deuxième place. Donc ça sera pas jouable à la régulière, mais sait-on jamais ce qui peut arriver. En tout cas, c'est ce que nous disait Christophe Guyot qui nous a fait encore une fois l'honneur de venir nous voir ce matin un petit peu avant que les choses ne s'accélèrent, en nous disant de toute façon, on ne se pose pas de questions, on roule autant qu'on peut, aussi vite que l'on peut, et on verra à l'arrivée. Christophe qu'on voit à l'écran là, qui un petit peu dépité quand même. Oui, un peu dépité, mais d'un autre côté il est sur le podium pour le moment. Sa machine est sur le podium et le sourire de David Checa en dit long hein. Ils en ont peut-être encore un petit peu en réserve et ils vont en tout cas il y a 6 tours quand même qui séparent cette machine de la deuxième place, un petit peu plus. Donc je vois pas matériellement comment ils peuvent faire, sauf qu'une fois de plus, il y a cet inconnu mécanique et cet inconnu même sur la piste, la fatigue. Alors la machine numéro 83, on en avait parlé tout à l'heure, voici c'est Laurie Frémy. Laurie Frémy avec donc la Kawasaki numéro 83 et qui a hérité de la première place en catégorie Superstock à la suite des ennuis donc de la Suzuki du Junior Team. Alors que la Suzuki numéro 1, celle pilotée actuellement par Vincent Philippe, elle continue à faire le forcing sur la numéro 55, mais en termes de chrono, il se passe pas grand chose. C'est toujours Ribalta sur la Honda numéro 55 en tête qui affiche le meilleur temps. 1:43.8 contre 1:44.6 pour Vincent Philippe. Et ça serait intéressant là, de rester un peu sur Laurie Frémy parce qu'il avait... Il avait disputé les 24 heures du Mans à l'époque, c'était justement dans le team de Damien Saulnier, donc contre lequel il luttait là jusqu'à il y a quelques minutes, à l'époque avec Guillaume Dietrich et David.